Et les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog 103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Lucius 3, donc sur PC. Un jeu qui m'a été offert par ce type, j'ai l'impression d'avoir positionné un morceau de céréales quelque part, je ne sais pas, c'est pas grave. Bref, c'est parti, on a un temps de chargement, donc ça peut être long. Mais voilà, donc, à l'heure où on en était, on avait tué 4 cavaliers. Donc on avait un manège qui commençait à être plutôt sympathique, et on le disait, ouais, faut encore faire le gros bordel en ville. Et donc, du coup, on s'apprêtait à tuer tout le monde dans le... dans l'église. Ah. 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 Veuillez patienter, les temps de chargement sont compliqués dans le jeu, apparemment. Donc on va peut-être se retaper la cinématique précédente. J'espère juste que tout va bien. C'est moi, il a grandi le sale gosse, pas plus que ça. Depuis le premier, oui forcément, mais depuis le début de la partie, je pense pas. Ah si, il y a un temps de chargement, on le voit en haut à gauche là. Ça charge. Ça me paraît bizarre mettre un truc de chargement en haut à gauche. Ah! Ah! Fais ton gré! We know what you are, son. You didn't think I'd let you kill everyone without fighting back. The boy here is no ordinary boy, ladies and gentlemen. The boy is the son of the devil. He may not look like much, but believe me, he is all evil. Together with Jack, they've been quietly killing people and performing some sort of ritual at their backyard. I saw it all. Wesh, cousin. At least 7 bodies, all desecrated with evil markings made to look like the 4 horsemen and the martyrs of God. He killed his own family and everyone who worked for them. This boy is not human. He is a demon and must be killed. Die, you demons! On a l'impression que ce n'est pas synchro. Il arrête les balles. Il est Néo. Je suis l'enfer. On est d'accord que le son n'est pas synchro, hein? Ah mais je suis... ouais. Ce soir, c'est soirée barbecue pour tout le monde. Bah en fait, il a vu qu'il y avait une tempête qui s'était déclenchée. Il a l'air surtout l'air très breton avec son ciré. Mais je trouvais ça joli. Bah... il can't get his soul. Let's grab it. Ah si, mon clavier est allumé. He can't get his soul. Let's grab it. Ah d'accord, faut que je fasse tomber ça. Ça y est, je peux bouger après. Voilà, mais attends. Je passe en QWERTY, je crois. Voilà, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Vous avez compris ce qui s'est passé, vous? Attendez, on va enlever cette lumière, parce que ça fait de l'éclairage en plus sur l'écran qui sert à rien. Et c'est le fail, c'est même double fail, triple fail. J'ai pas compris ce qui se passait en fait. Je pouvais pas me déplacer, je pouvais rien faire, donc je me suis dit comment on vient de lancer le jeu. Vers la 12 et au-delà. Est-ce que c'est que ça plante? Est-ce qu'il y a une autre chose qui est en train de se passer? Je sais pas. Ça brûle ici. Voilà, du coup il y a eu la tempête, en fait ça a attiré sa vue au gars. Mais ils sont où? J'ai fait tomber un truc, ils sont partis où? D'accord que tout a bugué là. Non? On voit rien en plus. Sérieux? Il se passe quoi? Le mec, il est coincé dans le mur.
le jeu a bugué. Ça fait peur. Soleil Mbappé la fusée. Salut Senpai, je sais plus à qui j'ai pas dit bonjour. C'est un X-Men. Tout feu, tout flamme, c'est ça. Enfin, l'esprit du bug, c'est ça. C'est super sombre. Est-ce que je peux remettre les graphismes? Bah si, la luminosité, elle est là. Peut-être qu'on y voit un peu mieux. Voilà, quand il est bugué, là. Il faut que je fasse quoi? Je sais pas quoi faire, au secours. J'ai l'impression qu'ils ont tous disparu, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Dans le doute, on va remettre l'amour brûlant du Christ. Je vous ai déjà dit qu'il faisait chaud. On n'y croit pas, hein. Bon. On a vu, c'est bon. Can't get his soul. Let's grab it. Man, I knew it was my son. You didn't think I'd let you kill everyone without fighting. Pareil, ouais. Un jour, ça, ouais. So ordinary boy, ladies. Can't get his soul. Let's grab it. Ah, je peux tous les brûler un par un. Oui. Ah, y'en a un qui m'a pris sur le côté. Ok, faut être rapide. Ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon. Vers la douze et au-delà. Mais tout a rebugué là. Mais c'est pas croyable. On va arrêter de mettre des quichemal parce que ça bug dans tous les sens. Yes. Non mais là on voit bien que ça plante, que je me suis fait avoir, que du coup je meurs et qu'après ça disparaît. He can't get his soul. Let's grab it. Rien là. Et la caméra est flippante. Je peux pas me déplacer pendant cette séquence. Au secours. Et là, est-ce que ça va replanter ou pas? Non, c'est bon. Non mais... Ah zut. Et c'est chaud, j'ai pas le droit de me déplacer, donc ils sont chiants. Et c'est chaud. Bah je peux pas laisser mes deux mains, je crois. Ça vise pas les bons en plus. C'est le mec qui est en jaune et ça vise le mec derrière. Oh, ça va être chaud. Il y a quelque chose qui doit faire mal, c'est pas possible. Hey. C'est de l'acharnement, du harcèlement.
Je veux mon dernier mot. J'ai chopé un succès, j'ai même pas fait gaffe. Allez, mais je clique là, s'il te plaît. En fait, faut que je maintienne le clic, c'est ultra long. Allez, on va y arriver. Je veux y arriver, s'il vous plaît. Laissez-moi gagner. Bah allez, mais. Ah, mais non, mais en fait, j'ai qu'une fois dessus, c'est bon. Ah zut. En fait, j'ai pas besoin de maintenir, apparemment. Temps illimité, bravo. Ça arrive pourtant. Ok, je crois que j'ai pas besoin. Parce que jusqu'à présent, on a toujours besoin de maintenir la touche pour que ça brûle. Donc, on va essayer de faire ça vite maintenant. Vers la loose et au-delà. We know what you are, son. Je vais y arriver. Je vais y arriver un jour. Si, j'y arriverai. You can't get us all. Let's grab it. Mais brûlez. Mais. C'est la bonne. Ah, no child play, c'est bon. En fait, je maintenais trop longtemps la touche. D'habitude, il fallait attendre deux plombes. Là, ça me ramène vers l'avant. T'es où, toi, le petit dernier? T'es là? What the hell? C'est joli. On l'a fait. Burn, baby, burn. Fais ton greu. C'est miraculeux! Bon ben voilà. Après une série de fails assez intenses, nous avons réussi à tuer l'ensemble de la population. Et ouais. The seal melted off, so I figured you were there. Where is everyone? Something is definitely happening out there. I think the portal might be forming already. Do we really want your father to rule this place? Is that really what we're looking for? Making him do tests and killing his other children. I mean, what kind of a father is that? And what happens to me when he gets here, huh? I'm a sinner, and as far as I know, we both might end up as his prisoners. Tu doutes? Tu veux qu'on termine de la même façon? Qu'on te termine. Don't you want to stop these tests and games and rule the place however you like? Maybe you even want to have a kind heart somewhere. You've done everything he's asked, and you've got no rewards whatsoever. Without you, he wouldn't be able to do anything by himself. Ah mais c'est déjà en pire. I say we go and find the dagger. Even if you feel like this is not what you want to do, it's still better to have the option to act in case something goes wrong. I think we've had enough ideas from Mr. MacGuffin here. Don't you agree, my boy? You know, it was me who got them to take that road that night. But you didn't know there was a back door to my... Ah, mais c'est le diable. True. We're now opening something that will allow my full dominion. Ravage the earth.
But in the meantime, my trusty old root still does the job quite well. Such a shame, really. You've done so well for so long. And just when I was about to take you with me to Mais j'ai rien dit, moi. I find you here, conniving against me, fellow detective. You leave me no choice but to punish you. Blablabla. I'm grounding you for a week. And when the week is over, so shall be the rapture. Sadly, I don't know what will happen to you while the whole place burns down. Bonne nuit, Madame Tatienne. Mortal souls of the sinners. J'attends qu'il arrête de parler parce que c'est super fort. Ça meule dans les oreilles. Punaise. C'est saturé là, vous êtes à 50% du son quoi. Bonne nuit, Madame Tatienne. Faites bref, prends soin de toi. Désolé encore une fois que tu dois nous quitter pour la chaleur. À cause de la chaleur. C'est pas juste. Vivement l'hiver. Vivement l'hiver. Nah. Tôt ou tard. Oh, allez, l'automne. L'automne. Au pire, l'automne. Vivement la fin de la canicule, en tout cas. Merci de passer encore une fois. Prends soin de toi, fais de beaux rêves, à la prochaine. Bon, on s'est fait avoir par notre propre père. Il a tué notre pote le détective. En lui arrachant le cœur. Comme ça, sans se poser de questions. Ah, nous sommes de retour à la maison. 1er novembre 1974, 23h16. Donc en fait j'ai tué tout le monde, ça y est, j'ai plus aucun pote. Même la gamine là, qu'on voulait aider. Il y a un gamin qui était déjà mort de base. Fais ton gré. Donc ça c'est fait. J'ai mis 17 minutes à faire la séquence de l'église. C'est un peu catastrophique quand même, hein, qu'on se le dise. Bonjour. Moment. Elle était pas en forme, la mère. Donc ça, c'était notre chambre avant, c'est ça? Ça, c'était notre chambre. De sortir d'ici sans me blesser. Pourquoi fallait-il qu'il tue Jack? Maintenant, je suis si triste. Enfin, je suis triste. Oh, mon Dieu! Il est triste. Ça se voit tellement à son visage. Ah, ok. Je suis capable de figer le temps. Vous avez vu un peu cette efficacité? Je comprends vite, hein. Faut m'expliquer longtemps, mais je comprends vite. On voit rien. On voit, mais rien du tout, hein. J'ai l'impression qu'il y a du vide. Alors vous, je sais pas, mais moi, je vois quasiment que dalle. Ah non, mais il y a des trucs assez bizarres, effectivement. Attends, mais il y a un escalier, là, non? Il y a un escalier. Ok. On va prendre l'escalier. Mais à quel moment ils se sont dit, « Ouais, les gars, on y voit trop bien. » C'est exactement ce qu'il nous fallait comme luminosité. Alors, je sais pas qui a créé ce chemin. C'est quand même bizarre. Ah! Cinématique, attention! Sorry about your friend, Mr. Il y a toujours des bugs de son. He had a nice soul. I liked him. Shame on Lucifer for doing this to you. Now he's out there trying to fulfill prophecy by himself. Non, le son est bas. You're here all alone with the rest of mankind. Left to die. Luckily. You can still change things around. Dagger's right down there. Just pick that up and stab Lucifer with it. Then you'll stay as the ruler. And you can do whatever you like. No more rules, no more quests. Okay. Like what Mr. MacGuffin's at. You know that pet cemetery near your house? There's a mausoleum at the center of it.
That's where the back door is. It's been said that only the wicked can use these back doors. And the blood inside your veins should hold the key. Do the right thing, Lucius. Don't let Lucifer get away with it. Non mais le son bug complet là. Il y a des sortes de crépitements. Bon, ça peut venir de la carte d'acquisition, hein, le crépitement. J'aimerais bien son pouvoir pour ranger mon appart. Un peu comme dans Mary Poppins. C'est le morse... Je sais pas où je vais. Bah attends, je suis déjà passé par là. C'est le morse de ce qui est de la médecine à couler. La médecine à couler, médecine à couler. J'avance à l'aveugle. Hein. Je me prends les murs quand je vois que le personnage n'avance plus. C'est qu'on est dans la bonne direction. Waouh! Mais c'est vrai que j'avais tué lui. Dans le Sus 1, ça. This is where it all happens, Lucius. This is the heart of Dante Manor. The master said he'll take his doom from my bloodline. I'm sure you are what he meant. J'ai peur qu'en relançant le jeu, en fait, ça change absolument rien. Non mais sérieux ? Attendez. On va tenter un truc vite fait. Toc. Toc. On remet. Voilà, comme ça, je relance la... l'élément. Parce que ça aurait pu être la carte d'acquisition qui plante. J'avais laissé là dans le corps de mon grand-père, et j'apprends qu'elle a des propriétés magiques. On raconte que c'est la seule arme capable de blesser le diable, et qu'elle peut ouvrir un passage entre l'enfer et la terre. Ah ! J'ai l'impression que ça a réglé le problème de son. Ou c'est moi qui rêve ? Donc c'était bien la carte d'acquisition qui avait planté. Ok, quelque part dans ce cimetière se trouve une porte cachée qui mène en enfer. Voilà, on se tire. J'ai la dague. J'ai la dague, je me tire. Je fonce dans le vide. Vous avez rejoint la sortie. Félicitations! Non, pas par là. Par là. Bon, le cimetière, il est là. Quand je pense qu'on a tué tout le monde. Comme ça, là. Il y a un petit mausolée en plein milieu du cimetière. Oh, bah, c'est là qu'on va aller. C'est celui-ci. C'est-à-dire de ce mausolée, je vois une coupe là-bas. Oh ouais! Scarifions-nous. Il y a encore le son de notre grand-père dessus, bien dégueulasse. On se croirait tellement dans un vieux jeu. Devil May Cry 2 est aussi joli, hein. Aïe. Impression qu'il y a un problème avec ma main. Ok, on rentre. Mais ceci est un ascenseur. Ça
C'est comme s'il y avait un truc qui s'était déplacé là. Bizarre. Ça fait mal quand j'ouvre la main. Alors. Et une fente à pièce. Est-ce que j'ai pas la pièce, ça là, voilà. Je prends ça, s'il te plaît. Du premier cavalier. Ah, mais j'ai peut-être pas récupéré les pièces des autres. Je pense pas avoir récupéré les pièces des autres. Le cadavre du maire. Le passeur de cette ville, il rassemble ses armées contre moi, un candidat idéal pour le cavalier rouge. Guerre. J'ai placé l'épée dans sa main, accomplissant la prophétie, ça a marché. Il est bien le cavalier rouge. Des choses utiles se cachent souvent dans les poches de ses corps. Je devrais fouiller à nouveau. Je crois que j'en ai toujours 6, c'est bon. Le juge de la ville, le cheval noir, porte la balance de la justice. Son jugement scellera le destin des leurs. C'est pas très lisible. Il faisait partie des occultistes de Winter Hill. Ils ne se rendaient pas à ce que l'un de leurs propres rituels les mène à leur perte. Je me demande... Le quatrième et dernier cavalier mort, il n'aurait jamais imaginé que l'incarnation de la faucheuse se trouvait parmi eux. Je l'ai disposé pour représenter le quatrième cavalier. J'ai tous les, cavaliers, la quatrième se saute. Je vis trop vite. Toc, toc, c'est bon, on a toutes les pièces. On retourne au cimetière. Toc, s'il te plaît. Salut un meuf, comment ça va? Oui, on a jamais déjà fait les deux premiers, alors fallait bien que je fasse le 3, on me l'avait offert en plus. Non mais attends, ça a tout pris de zéro? Sérieux? Non mais attends. Et j'espère qu'il me compte quand même la première pièce, sinon j'ai fait planter le jeu et je pourrais rien faire. Recoupons-nous la main une seconde fois. Nous voyageons dans le temps aujourd'hui. Salut la Sarissan, comment ça va? Bah alors Dispion, t'as repris l'autre compte? Il marche plus? Je viens seulement de réaliser. Bon. On y croit. S'il te plaît, ne plante pas. Nous allons réussir. Alors. Voilà ce qui se passe. Ah, c'est bon. Alléluia, c'est Thieb. Mais forcément que c'est un bon jeu, celui-ci. C'est tellement nanardesque, n'empêche, comme jeu. Vous savez, ça me fait penser à Fullmetal Alchemist, l'anime d'origine. Quand on descend dans la ville, il y a peut-être pas de ville en dessous, mais bon. Ça me fait penser à ça, pour l'instant. Bon. Qu'est-ce qui nous attend? N'empêche, c'est pratique. Un ascenseur qui mène directement en enfer. Ça fait penser à Zombielenium aussi. Oui, vous me l'aviez déjà conseillé quand j'étais chez Armob, justement. Juste des mecs.
Pourquoi ? Bon. J'aurais dû faire ce jour en hiver. Ça nous aurait réchauffé. Ah ! On voit rien, hein, mais on entend des gens. Bonjour ? Bonjour ? Ils ont mis des bruits dégueulasses alors qu'il n'y a rien à voir. On est d'accord qu'il n'y a rien à voir. C'est juste des paliers avec des rochers. C'est du vide. Ding. Vous êtes arrivé à destination. Il est passé jusqu'à la récolte du véhicule. N'empêche, c'est joli comme environnement. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, pardon. J'ai cru que c'était joli. Puis en fait... pour se taper un petit délire, le Sus 3, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Je m'attendais vraiment à pire. Entre nous, je m'attendais vraiment à pire. Enlève-moi ça. Ghost Recon qui me dit que j'étais invité à participer au test. Fais-t'en gore. Allez, on y retourne. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, bonjour. Les phases de plateforme, on n'y croyait plus, et pourtant ça existe encore. Ça le fait, c'est bon. Ça va, il a pas les coudes qui plient, tout va bien. Tout va bien. Des phases de plateforme en enfer. C'est donc ça l'enfer. Je m'y attendais point. C'est pas un peu haut, ça? C'est bon, c'est passé. C'est passé. On se croirait dans les mines de la Moria, peu de choses près. Il arrive. Le Balrog. Oui. Est-ce que le trailer s'est pas lancé tout simplement ou... Ah non, il y a un levier. Il y a un levier, pardon, je l'avais pas vu. Ouvrez les portes. Ah bon, il doit crever dessus là-dessus. Il doit tellement crever dessus. C'est le KB. Je sais pas s'il dit bonjour encore. Si c'est pas le cas, je te le redis du coup. Comment vas-tu? Aucune idée d'espion. Coucou Urtica, je sais même pas si il dit bonjour aussi. C'est dommage qu'il n'y ait pas le coucou d'avant. Au moins je repérais quand les gens arrivaient sur le chat. Même si j'avais pas les yeux dessus quoi. L'escalier de l'infini. M'explique. J'ai l'impression que Lucius est aussi perdu que moi. Ah bah voilà! Ça, c'est bien! Le plaisir de marcher dans la neige. Bah, je préfère largement ce type de décor. On se sent tellement mieux. There is no place to go. Je sais plus si ça les parle. Let it snow, let it snow, let it snow. Il y a un mur invisible, je crois. Ah non, peut-être pas. Il y a une stalagmite en face. Je voulais voir si on pouvait l'atteindre. Est-ce qu'elle est toute seule? Ça paraît bizarre qu'elle soit toute seule, comme celle-ci d'ailleurs. Ah non, il y en a plusieurs après là. Bon, entre nous, c'est un peu chips, mais... Cheap. Bref, ça a l'air d'être un petit peu bas de gamme, mais... C'est pas dégueulasse, je trouve.
Avec un ou deux efforts supplémentaires, on pourrait vraiment obtenir quelque chose de très sympa. Bref. Mon Dieu. Mais c'est le vide ici. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Vous êtes prêt pour un fail? Hein? Mais maintenant on a un super héros trop bizarre qui lance des trucs. Ah mais c'est vachement aimanté. I'm here, daddy. Come play with me. Oh, le trône. Il y a un petit jouet sur le trône. Attends. Le jouet mal détouré. Encore une fois. Papa, j'arrive. Cette tablette ne me servira à rien. Bah oui, forcément. Alors. J'ai eu peur que j'avais plus la dague. C'est Lucifer, mon père, il est en train d'ouvrir les portes de l'enfer. Devrais-je l'en empêcher? Lucius 3, c'est le plus mauvais jeu que t'aies fait? Non, quand même. Quand même. Y'a pire. Fais ton greux. Lucius. So, it has come to this. It's my heart. Such a shame. You were one of my most promising prospects. Eventually, they all turn on me. They all end the throne in the end. It all ends up the same. They end up destroyed when they raise their hand against me. And so shall end the story of Lucius too. What a waste. Goodbye, Lucius. It's been a pleasure knowing you. Gabriel! But how? Oh. There we go. I followed you down just in case. And a good thing I did. The Prince of Darkness, une musique de vampire. Bringer of all evil, King of Babylon, has perished. Let's go. Together we'll enter the pearly gates. Salut, Brochoc! Parce que j'avais bien aimé le premier, et que j'ai fait le deuxième, et qu'on m'a offert le troisième. En même temps, je l'ai mis dans ma liste de souhaits. Mais ça fait un bon petit nanar, quand même. Il le fallait. Faut bien qu'un calendrier quelques-uns entre nous le termine. Attends, je peux récupérer la dague, s'il te plaît? Voilà. Je peux récupérer ça aussi. Ça ferait joli chez moi, un trident. J'ai envie d'aller voir s'il n'y a rien au bout là-bas. N'empêche que je trouve ça un peu joli. Si, c'est vrai. Faut pas sauvegarder. Y'a pas de système de sauvegarde dans le jeu. Est-ce que je tue Gabriel ou pas? Ah, je suis curieux. Mitty aime la souffrance, c'est faux. J'aime les schtroumpfs. Coucou Adrien, en tout cas, comment ça va? Ça se passe? Bah écoute, ça se passe, oui. On arrive à terminer le jeu. J'hésite. Non, je l'ai commencé hier soir, le jeu. On l'a commencé tard hier soir. Bon. Enter the Pearly Gates. C'est quoi ce succès? Mais c'est quoi ça?
Désormais, on fera mes nos jeux, volontairement. Fais ton gré. Non, sérieux? C'est quoi ça? Et donc, quand on est absous, on entend le pont d'Avignon. Mais d'où ça sort? J'ai rien compris. J'ai rien compris. D'où ça sort le pont d'Avignon, en plus en français? Sérieux? Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient travaillé sur le jeu entre nous. J'ai rien compris. Non mais j'aime bien, ils te mettent à ralenti. T'entends le pont d'Avignon et après c'est coupé. Fin. C'est bon, t'as fini. Je pense que cette fin, c'est pas celle qu'on est censé choisir en fait. Bah on est d'accord, on a entendu le pont d'Avignon sur la fin. Chanté par quelqu'un qui était anglais en plus. Enfin qui était pas français apparemment vu l'accent. Donc bon, on commence avec The House of the Rising Sun, The House, avec mon superbe accent anglais. Je reste assez baba de ce qui vient de se passer. Attends, on va quand même essayer l'autre fin. Je veux savoir. De plein, il a pas prévu ça en fait. Oh, alors, est-ce que c'est pas une mauvaise blague de la part d'un des développeurs? J'ai pas compris pourquoi il y avait ça en fait, Brochak. Faika en l'occurrence. Mais je crois. Non, Sika, je sais plus. Ah, c'est la mère qui chantait ça au premier. D'accord. Bon, attends, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut le poignarder avec eux? Ouais, si, on va tenter ça avec ça. Non, ça sert à rien. Non, mais c'est dommage. J'aurais tellement aimé qu'il laisse. On a plein d'objets. Et j'aurais aimé qu'il laisse d'autres options. Par exemple, le sac à main, j'ai jamais rendu. Je sais pas à qui fallait le rendre. Blablabla, blablabla. On passe assez en espérant que le jeu ne plantera pas. On récupère ça. Non mais la fin qui est tellement bâclée quand même. Oh, le mec il aurait pu réagir 10 fois. Oh the angel. C'est bien ce que je me disais. Au cas où, je voulais pas faire de bêtises. Et voilà. Fais ton greu. Take the throne. Mon dieu. Ah ouais, c'est vrai, la souris, j'ai pas vu. Muggy Group. Non mais la brutalité de la fin, quoi. Bon, il nous restait 40 minutes de jeu. Limite, j'aurais dû faire ça ce matin. Hein. Non, mais sur la fin, de toute façon, tu tues tout le monde. Sur la fin de la partie, il n'y a plus personne. Tu brûles tout le monde à l'église sur la fin du jeu. Et en fait, tu peux tuer des gens avant, je pense. Vraiment. Alors, je sais toujours pas pourquoi j'ai tendu un fil barbelé dans le décor. Je suis sûr que je suis passé à côté plein de trucs. C'est un peu dommage quand même, hein. Attends, je vais revoir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 personnes qui ont bossé sur le jeu. Quand tu vois qu'il y a des gens qui font... Bon là, c'est pas le but, mais qui font Ghost of a Tale avec autant de personnes pour travailler dessus, je me dis que... Il y a quand même un fossé entre les deux, quoi. Bon ben voilà, on a fini. Le pire, c'est que j'ai envie de vous dire que c'était pas si mal que ça.
Parce que mine de rien, on a quand même bien rigolé. Hein, et ça pourrait être pire, c'est-à-dire que vraiment le jeu aurait pu être dégueulasse dans le sens où, où on n'y prend absolument aucun plaisir. Et en fait, je trouve ça rigolo. C'est un peu comme regarder un nanar, quoi. Je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment à pire. Entre nous, j'avais vraiment l'impression que ça serait catastrophique. Toujours l'impression de mettre trop peu de sirop. On a perdu le coucou. Mais en fait, c'est vachement long. Ah, mais c'est le doublage. Du costard John Canary. Pour le... Ouais, mais c'est un ange. Alors, on n'a jamais dit qu'au paradis, ça avait bon goût. Je suis même pas sûr qu'il te lègue, sérieusement. Quand tu vois comment était le 2, déjà... Je me dis qu'en fait, ça fait partie du truc maintenant, d'avoir un jeu extrêmement bancal et pas fini. Et oui, bah en fait, ce livre, ils m'ont obligé à changer de chat, et du coup, la fonctionnalité pour que ça dise coucou à chaque fois que quelqu'un se connecte n'existe pas sur celui-ci. Mais ouais... T'es arrivé sur la fin, Red. On avait déjà joué un petit moment hier. On avait déjà joué quelques heures hier. Mais en fait, hier, on a passé un très long moment à essayer d'activer tous les éléments dans le décor. Enfin, tous les éléments. C'est-à-dire à visiter chaque lieu. Et donc, sur les 3-4 premières vidéos, c'est ça, en fait. J'ai juste marqué tous les éléments dans le décor. Et ensuite, l'histoire a été très rapide, en fait. Ils ont fait une grande carte qui est assez vide, on va pas se mentir. Et finalement, j'aurais tué qu'une seule personne. J'ai tué qu'un gamin. En dehors de ceux qu'on devait tuer pour l'histoire. C'est déjà gentil de passer ce livre. Eh, ce livre, regarde. Ta-da-da-da. L'artbook. On regardait ça en début de soirée. En fait, les crédits tombent pas en boucle, là. Bref, c'est bancal au possible, ce jeu, c'est... T'as l'impression que c'est fait à la va-vite, que c'est pas spécialement soigné. Ils ont des idées qui sont pas dégueulasses à chaque fois, mais ça manque de quelque chose, en fait. Et je veux dire que ça manque de quelque chose, mais en même temps, j'ai pas tout fait dans le jeu. J'aurais bien aimé en tuer plus, avant d'arriver à la séquence de l'église. Parce que... Ça fait du bien. J'aime ce genre de choses, regarde comme il est beau. J'adore ce genre de truc. Bah comme Maurice, hein. C'est pour faire joli avec Maurice. Tu vois, comme ça, on peut se faire Hamlet. C'est avec le verre. Comme ça. Il a pas de verre, normalement, mais bon, on s'en fout. Enfin, je crois qu'il a pas de verre. Genre, être ou ne pas être, telle est la question. Maurice! D'ailleurs, je fais ça, mais personne ne voit, en fait. Maurice! 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 C'est mon copain. C'est vrai, ouais. Mais j'adore tout ce qui est crâne. Tu regardes, il en a. Tadam ! Voilà. To be or not to be. Il est gentil. C'est C'est marqué là. Shiver Games. Des OA. Donc voilà. Donc j'adore tout ce qui est crâne, squelette, etc. Je trouve ça joli. Donc au lieu de boire dans un verre normal, je me suis dit que ça pouvait être cool de boire là-dedans. Voilà. Bon, bah c'était la fin. Félicitations, vous avez vu Lucius 3 et vous avez survécu. Donc on va quitter, on va passer à notre jeu. On va couper la rediffusion déjà pour commencer. Donc j'espère que c'est... Alors, on va quand même faire un bilan. Graphiquement, c'était pas top. Au niveau des sons, c'était pas top. Au niveau des animations, bah, enfin, quand je dis graphiquement, ça prend tout en compte. Hein. La ville qui était pas extraordinaire. Il y a quand même des endroits où c'est assez joli artistiquement parlant.
certaines maisons et tout, mais bon, ça, on va pas non plus les féliciter pour ça, hein, comparé au reste. Parce que la ville, j'ai jamais vu un truc, enfin jamais vu. Ça fait des années que j'avais pas vu un jeu aussi plat et aussi mal foutu. T'as l'impression de revenir à l'ère PS2, même sans Andreas, sans plus joli que ça. Vice City, donc c'est un peu bizarre. On a vu qu'il y a des bâtiments, des trucs qui populent en tous les sens. Sauf pour Davignon, c'est la BO de Paradise. Non mais c'est très très bizarre. Il y a un gros problème au niveau du son avec des... le jeu gère très mal le son, c'est-à-dire qu'il y a des cinématiques où le jeu est extrêmement fort, il y en a d'autres où le jeu est extrêmement bas, il y a des choses qui pop dans le décor, t'as des moments où tu comprends pas ce qui se passe, t'avances, t'as pas de végétation, et puis paf, d'un seul coup, toute la végétation apparaît. Tout est extrêmement plat, les routes, le décor, c'est assez terrible. Les animations sont elles aussi terribles. Coucou Méa, comment tu vas? Et c'est un jeu de merde, y'a rien à faire comme bilan. Mais non, mais si! Moi j'ai pris du plaisir quand même à y jouer un peu, tu vois. Ne serait-ce que pour le plaisir de pouvoir refaire des meurtres, tu vois. Donc j'avais adoré le principe du premier en fait. Même le premier déjà était un peu bancal, le premier Lucius. Il y a des choses qui fonctionnaient pas. Mais il y avait une gameplay que je trouvais assez rigolote en fait. Le début de qui? C'est quoi la suite? Je sais plus. Le début de qui, c'est les sous-titres du premier, les sous-titres du, enfin du deuxième, je veux dire, les sous-titres du deuxième étaient extraordinaires de Lucius 2. Je sais pas s'ils les ont corrigés depuis, hein. Ouais, on l'a fini, Lucius 3. Au niveau des sons, comme je vous dis, il y a eu le décalage, mais ça, je pense que ça venait de ma carte d'acquisition. C'est doublé avec les pieds, en général, hein. Avec les animations, ça crée un tel décalage, c'est extrêmement bizarre. En termes de gameplay, ben c'est le strict minimum de mon point de vue. Vraiment. Mais au niveau de l'histoire, c'est nul. Mais c'est nul façon nanar. Donc du coup, ça me fait bien rire. Donc je conseille quand même le jeu, mais à très petit prix, genre 2€. Tu sais, ou même 1€. Tu dépenses 1€ et tu peux passer un demi-bon moment. Je crie parce qu'en fait, moi j'entends le son super fort. Voilà, là ça sature en continu chez moi le son. Donc je vous laisse imaginer à quel point ça m'a arraché les oreilles pendant tout le long du jeu. Le passage de Psychose est pas pire. Ben, il y a des références très bizarres dans le jeu. Ben, le ciré là qui fait référence sûrement à ça. 8. J'ai toujours l'impression d'avoir déjà vu cette page, Red. Celle que tu envoies. Ah mais c'est l'avancée, c'est pour ça on l'avait déjà vu plusieurs fois. Il me semble avoir déjà vu, mais je sais plus. Et c'est pas un kiff ce jeu. C'est comme un nanar, c'est mauvais. Mais moi je me suis bien amusé dessus quand même. Il y a des moments où j'ai bien rigolé, notamment le meurtre. Je m'attendais pas à une telle violence en fait dans le jeu. Avec je le prends. Ok Mister Rose, ok. Et franchement, si je trouve le jeu à 1€, j'en prends plusieurs et je vous les offre. Bref, voilà, donc c'est vraiment pas extraordinaire, voyez-le comme un nanar, de mon point de vue, c'est vraiment pas top. Mais j'ai bien rigolé. Et je suis curieux de voir ce qu'il était possible de faire. En fait, j'aurais aimé voir plus de meurtres. Dans la ville. On a galé une série Z. Et encore. Un nanar, c'est pas mauvais. Ben, pour moi, si. Ça n'avait pas un nanar. De mierda. Le cramule qui débarque aussi. Ben, décidément, on a toute l'équipe ce soir. Bref. Encore une fois, moi, j'en reviens pas totalement déçu. Je m'attendais à pire. Bien pire. Bon, c'était donc Lucius 3. Désolé à vous. C'était quand même bien sympa. Je peux pas dire que c'était pas sympa du tout parce que j'ai quand même pris du plaisir à le faire. Notamment, il y a des trucs, mais c'est tellement irréaliste le mec qu'on appelle ça schizo, non, qui a un dédoublement de personnalité, parce que schizo et dédoublement de personnalité, c'est pas tout à fait la même chose. Et qui parle à la place de sa mère, c'est... On dirait Bush en plus. Bush dans les guignols de l'info. Ce personnage-là, donc, c'est extrêmement perturbant, on va pas se mentir. Bon, on va quitter le jeu, histoire que je puisse passer à autre chose. Pour moi, c'est un nanar. Il y a le replay sur YouTube. Les premières vidéos vont être postées aujourd'hui. Du début du jeu. Et la dernière, elle sera postée demain. Voilà. Bon, là, on va couper la rediffusion. J'espère quand même que cela vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour un autre jeu. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Ou du moins à tout de suite, puisqu'on va passer à la suite du live. Et je crois que pour terminer le jeu, on a une vidéo qui est parfaite pour ça. On a une vidéo qui est parfaite.
On a ce qu'il faut. Je pense que la conclusion, ça doit être ça. On s'en bat les kiwis, on s'en bat les kiwis, on s'en bat les kiwis. On s'en bat les kiwis. Voilà. C'était le mot de la fin. A tout de suite. Non, mais je fais ça par passion. Rien d'autre que de la passion.